Salut! Vous l'aviez rêvé, et Dark Funeral l'a fait. Et oui, Dark Funeral va jouer pour la première fois à Crysis 2 sur PC. Je tiens à faire un petit avertissement avant cette vidéo. Je ne suis pas un joueur PC. Je n'ai joué qu'un seul jeu PC, c'est Prototype. J'ai Crysis War Edge, j'ai joué une heure max. Je ne suis pas un joueur PC. J'ai vraiment du mal avec cette plateforme. J'arrive pas à jouer souris clavier. C'est ce que je disais. Ce que je disais dans un dual commentary avec Destroy Kill, que je ne maîtrisais pas du tout les jeux PC. Donc là, la première chose que j'ai fait dans Crysis 2, c'est d'utiliser la. Donc vous regardez, je sais pas ce que j'ai. Je lui tire. Déjà, j'ai trouvé pas comment viser. Et après, hop, j'ai vu qu'il était mort. Après, j'ai vu que c'était clic droit pour viser. J'ai fait OK. Bon, lui, il s'est fait dessouder devant moi. Je ne sais pas comment. Et là, je suis en capture. Capture de crash. Capture du site. Donc lui j'essaie de lui mettre un coup de crosse. Mais je sais pas. Le coup de crosse, je crois que c'est la touche V ou B. Donc vous voyez. Alors, j'ai un doigt sur le Z, deux sur Q et D. Des fois ils sont sur E pour le camouflage, sur A pour le maximum armor. Alors vous vous rendez compte, mon pouce qui est sur espace, il faut que je le mette sur V ou B, je sais plus, c'est un des deux pour donner un coup de crosse. J'ai pas le réflexe moi, je n'ai pas le réflexe. C'est un truc de fou, il m'a fait péter un câble ce jeu. Alors lui j'en vois un, lui tire dessus, après j'en vois deux puis trois, je sais plus sur qui tirait. Attendez. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Et voilà, là je tire, je sais même pas sur quoi je tire. Je vous jure, je ne comprenais rien. Non, je comprenais le jeu. Ah, là, j'ai capturé la zone, donc là j'ai up niveau 2, j'étais très content. Et mais c'était un truc de malade mental. J'arrivais pas à. J'ai pas tué un seul mec, je crois, dans toute la partie. Parce que je cherchais comment faire. En plus, sans compter que le petit problème, c'est qu'avec Fraps, je laguais à mort. Enfin, je sais pas si vous allez, je sais pas ce que ça va donner à la vidéo, mais je laguais, c'est-à-dire que je voyais images par seconde. Je voyais très peu d'images par seconde. Enfin bref, c'était horrible. Par contre, quand je le désactivais, c'était très fluide, donc je n'ai pas eu vraiment de problème. Donc graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez voir que c'est plutôt joli. Et encore, je n'ai pas boosté les caractéristiques de Crysis 2. J'ai laissé les graphismes en gamer. Hein. C'est la base pour jouer à Crysis très très bien. Donc lui, je l'ai dessoudé. Alors, qu'est-ce que je disais Je disais que j'étais en gamer pour que Fraps puisse enregistrer, enfin puisse enregistrer sans que j'ai trop de latence, parce que je peux vous dire que c'était injouable. Et bon, je suis content d'avoir essayé, donc c'est parti, c'est fini la critique Dark Funeral PC. Franchement, jouer sur PC, ça ne m'arrivera jamais. C'est vraiment pas pour moi les jeux PC, mais vraiment pas. Je comprenais rien. J'allais à droite, à gauche. C'est comme si qu'on me demandait de jouer à Call of avec des touches directionnelles. Je ne peux pas, je suis trop habitué à un joystick sur la gauche. Comment on appelle ça quand on, je sais pas, faire de la manivelle avec les joysticks, vous voyez, pour tourner et tout. Là c'est trop dur, enfin c'est une question d'habitude, mais moi j'ai pas l'habitude, donc c'est horrible. Donc là j'essaie de voir pour donner des coups de crosse. Et donc c'est parti pour les points positifs. Donc là je me promène un peu, histoire de montrer un peu les décors, histoire de t'en découvrir aussi. Bon là je me suis fait dessouder, par contre quand on se fait dessouder on fait des bonds de 20 mètres en avant ou en arrière. Lui m'a fait un headshot, donc il y a un magnifique ralenti sur la balle qui m'a mis dans la tête. Donc là j'en ai vu un, là je le voyais plus. Alors quand je me suis mis invisible, je me suis dit ça se trouve je vais le voir et je vais le tuer. J'adore franchement contrôler la nano suite, c'est vraiment génial, mais génial hein. On court, on se met invisible, on fait des super sauts. On utilise l'armure maximum, etc. Franchement, c'est génial de contrôler tout ça. Et par contre, ce qui est super chaud, c'est que j'avais du mal à. Voilà, lui, je tire dessus, je touche pas, je tue pas. Enfin, qu'est-ce que je disais, c'est super dur l'interface. J'ai eu très, 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 très.
On va dire, j'ai eu beaucoup de mal, mais vraiment beaucoup, à m'habituer à l'interface. L'interface est très jolie, mais le seul problème, c'est que la map en bas à gauche et les kills en haut à gauche, c'était pas vraiment cool, quoi. Par contre, j'aime bien l'interface, le sort de c'est une manière en harmonie avec la combinaison. C'est-à-dire que, par exemple, en 3D, l'affichage se ressortirait de l'écran, vous voyez. On aurait l'impression d'être sur un vrai casque, d'être dans une nanosuite nous-mêmes, etc. Déjà, rien qu'y jouer, on avait l'impression d'être avec une nanosuite, parce que quand on avance, ça recule un peu. Enfin, c'est vraiment très bien foutu. Vous regardez, ça bouge, là. Et on se met invisible, maximum armor, etc. C'est génial. En plus, avec les voix anglaises, parce que la démo est anglaise, en espérant qu'en français, ils ne font pas l'erreur de armure maximum, et qui garderont les voix originales. Bon, lui, j'ai essayé de le cuter, mais je trouvais pas le bouton, alors j'ai tiré dessus. Ah. Et regardez, avec quelle aisance il m'a tué, moi, un débutant, un novice PC. Maintenant, c'est même pas du novice, là c'est du noobisme. Ouais, voilà, je suis un noob sur PC, mais un noob, hein. Regardez, j'ai du mal à avancer et faire espace en même temps, je vous jure, c'était une catastrophe. Heureusement que je l'ai pas commenté en live. Là, j'ai fait un méga saut. Vous avez vu un peu le truc. Donc, lui, je lui tire dessus. Il a fait un méga saut. Il a traversé toute la map. Je vais tirer dans la tête. Sauf si je vise mal. Ou j'ai mal vu. Mais il n'y a rien eu. Donc, je me suis mis à vider. Mais je me dis, tiens, je vais le rattraper. Et j'avais pas assez d'énergie pour faire le méga saut de la mort qui tue. Et je suis tombé. Je suis mort. Ah là là. C'est tout ça pour dire, franchement, graphiquement, il est magnifique. Il est magnifique. Regardez-moi cet environnement. Regardez-moi les bâtiments et tout. Il est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Là, j'ai tiré sur l'arbre pour voir si si on tirait sur l'arbre, est-ce qu'il tombait. Ben oui, il tombait. Donc là, je crois que c'est un killstreak ennemi. Sorte de drone, enfin de orbital frappe là. Il me semble que c'était ça. Une sorte de laser rouge. Et en fait, là, je me suis concentré sur le vaisseau alien, car je vous rappelle que c'est une capture site de crash, pardon. Et donc, on doit capturer des positions. Alors, moi, je me dis, bon, à défaut de tuer des ennemis, eh ben, je vais capturer des sites. Alors, je me suis mis invisible. Oh, je l'ai eu. Oh, j'en ai tué 3. Oh, PGM. Alors, moi, je me suis mis là. J'ai attendu que mon énergie se recharge. En plus, la nanosuite a fait du bruit. Quand il n'y a plus de... Bon allez, là j'ai une assistance. Quand il n'y a plus de... Quand on appelle ça de batterie. Enfin d'énergie. De batterie. Quand la nanosuite n'a plus d'énergie, elle fait une sorte de bruit bip bip. Et quand elle se recharge, on a une sorte de bruit vraiment génial. Bon bah c'est la victoire, hein. Normal, hein. Dark Funeral était là. Il n'a rien foutu, mais voilà. Il a quand même donné le courage au sel de se battre. Mais vous voyez, je suis arrivé 3ème avec 3 kills et... Et 7 ou 10 morts, je sais pas, je comprends pas trop l'interface. Bon ben j'espère que cette petite exploration de Crysis 2 vous aura plu, elle fut très brève, j'essaierai d'en faire une autre, c'est promis. Allez sur ce, je vous dis à plus, et la prochaine vidéo ce sera du Killzone. Allez, enjoy, bye.